Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. So, today we learn our body part. Allons-y. So, first of all, we learn a new song. Allons-y. 1, 2, 3. Focus about the body part. 1, 2, 3. Écoute et chante. Une petite main qui danse, une petite main qui danse, une petite main qui danse et ça suffit pour m'amuser. Deux petites mains qui dansent, deux petites mains qui dansent, deux petites mains qui dansent et ça suffit pour m'amuser. Un petit bras qui danse, un petit bras qui danse, un petit bras qui danse et ça suffit pour m'amuser. Deux petits bras qui dansent, deux petits bras qui dansent, deux petits bras qui dansent et ça suffit pour m'amuser. Un petit pied qui danse, un petit pied qui danse, un petit pied qui danse et ça suffit pour m'amuser. Deux petits pieds qui dansent. Deux petits pieds qui dansent, deux petits pieds qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Une petite jambe qui danse, une petite jambe qui danse, une petite jambe qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Une petite tête qui danse, une petite tête qui danse. D'accord. So let's to explain what the song means. Une petite small main hand. Une petite main qui danse. A small hand dance. D'accord. So une main mean hand. Hand, une main, d'accord? So repeat after me. Une main, hand, d'accord? Une main, d'accord? On a dit aussi deux mains, deux mean two. So deux mains, two hands, dancing. Deux mains qui dansent. After, he said, un petit bras, un bras. What the meaning of un bras? Bras, arm, bras. Or, so we took une main, une main, une main, 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 une main, mean hand, un bras, bras, bras. Et ça veut dire bras, what the meaning of bras, arm, d'accord? Then, un pied. So in the song, he say, un bras, deux bras, une main, deux mains, d'accord? So, un pied, deux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pied. One foot. OK? Deux pieds, two feet. D'accord? So, un pied, un petit pied qui danse, un petit pied qui danse, un petit pied qui danse, et ça suffit pour m'amuser. So, one small foot who's dancing, that's why I'm so happy. Et ça suffit pour m'amuser. That's why I'm so happy. D'accord? OK, so next we have une jambe, leg, une jambe means leg, une jambe. So, and then she said, or the song say, deux jambes, so two legs, deux jambes, then une tête, une tête. Qu'est-ce que ça veut dire tête? Head. Une tête. Head. So, those are the vocab that we'll take today. Again. Une main. Hand. Un bras. Bras mean arm. Un pied. Foot. Une jambe. Jambe. Qu'est-ce que ça veut dire jambe? We said leg. Bravo. Une tête. Head. Une tête. Head. So, again, those. The word of the vocab that we take, inshallah, today. D'accord. So, the song again. Une petite main qui danse. Une petite main qui danse. Une petite main qui danse. Et ça suffit pour m'amuser.
Then he go to deux petites mains qui dansent, two. Deux petites mains qui dansent, deux petites mains qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Then he go to bras. So, un petit bras qui danse, un petit bras qui danse, un petit bras qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Then he go to two arms. So, deux petits bras qui dansent, deux petits bras qui dansent, deux petits bras qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Then he go to the pied. Un pied, foot. So, un petit pied qui danse, un petit pied qui danse, un petit pied qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Then, two feet. Deux petits pieds qui dansent, deux petits pieds qui dansent, deux petits pieds qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Then, to the leg. Une petite jambe qui danse, une petite jambe qui danse, une petite jambe qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Then, two legs. Hein, deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Then, la tête, the head. Hein, une petite tête qui danse, une petite tête qui danse, une petite tête qui danse, et ça suffit pour m'amuser. D'accord? So now I hope it's so easy to memorize and to sing. D'accord. So next. Now we will play together a game. This game's name is Jacadi, like Simon says. So when I'm saying Jacadi, you have to do the act. When I'm forgot to say Jacadi, never do it. D'accord? Okay. So first we have to understand. Toucher vos pieds. So toucher means like touch. Toucher vos pieds, touch your pied. We said what the meaning of pied, pied, did you remember? Yes. Pied, un pied means foot. Vos pieds with S in the end, feet. D'accord? So you have to touch your foot or your feet. Toucher vos têtes. So you have to touch your head. Toucher vos jambes, your leg. Toucher vos mains, you have to touch your hand. Are you ready to play? So let's start. Jacadi, if I forgot to say Jacadi, never do it. Okay, again. Jacadi, touchez vos têtes. So you have all to touch your head. Bravo. Hein, Jacadi, touchez vos mains. Vite, vite, vite. So fast. You have to touch your hands. Bravo. Touchez vos pieds. Oh. Who touched his leg, his foot? I didn't say Jacadi. Okay? So, okay. So you can play it at home. D'accord. So now I'm asking you to dessiner avec moi. So you have to draw with me. I will say a sentence and you have to draw it. The sentence say, dessine un monstre avec deux têtes. So dessine un monstre avec deux têtes. That mean, head, bravo. So deux têtes, so two heads. D'accord. Dessine un monstre avec six bras. Six bras. What the meaning of bras? Bras. Oh, bravo. Six. Six bras. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord. Deux pieds. Deux pieds. I didn't say any jambes. So pied means leg. Un, deux pieds. Do you understand? D'accord. So we have to go to next page. Here, you have to listen well what we'll do. Listen and try to understand. Un, deux, trois. Unité 4.
Leçon 1. La tête et les pieds. Et les pieds. Activité 1. Écoute et montre. A. La tête. La tête. B. Les bras. Et les mains. Les bras et les mains. C. Les jambes et les pieds. Les jambes et les pieds. D. Super! So, let us to revise again. Let us to revise. Look with me. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La tête, bravo! La tête, bravo! Et qu'est-ce que c'est? Le bras, bravo, bravo, bravo! Le bras. Et qu'est-ce que c'est? La main, excellent! Bravo, bravo, bravo! La main. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La jambe, bravo, la jambe. Et qu'est-ce que c'est? Le pied, le pied, le pied. Bravo, bravo, bravo. D'accord. Maintenant, écoute et colorie. So we have to listen, écoute, et colorie, we have to color. OK? So this is your homework. You have to print it and color it. Un, deux, trois. Activité 2. Écoute et colorie. A. Colorie la tête en jaune. So we have to colorie la tête en jaune. We search the color jaune and we go to colorie la tête. So la tête jaune. La tête jaune. La tête jaune. D'accord? So la tête jaune. Then. B. Colorie les bras en rose. Les bras en rose. On cherche, we search rose and we go to rose and we go to colorie les bras en rose. Bras, bras, or, bravo, les bras, or, en rose. Très bien. Hein? C. Colorie les mains en rouge. Les mains en rouge. Les mains en rouge. Rouge means red. So we have to go. D'accord. Les mains. Les mains. The hand. En rouge. D'accord. Then. D. Colorie les jambes en bleu. Les jambes en bleu. Les jambes en bleu. Les jambes, jambes, jambes en bleu. E. Colorie les pieds en vert. Les pieds en vert. Donc, on apporte la couleur verte. Les pieds en vert. Vert, les pieds. The feet. Les pieds en vert. D'accord. I hope it's easy. If you have any question, if you need me to help you in anything, only tell me. And now I have to tell you au revoir. Don't forget to like, subscribe, and share it to your friend to let everyone to know it. D'accord? Au revoir.